Vas-y, pose-toi. Tu veux un petit café? Pourquoi pas? Il est bon. Ouais, il est bon, c'est du pur arabica. Et sinon, t'as trouvé du boulot, une formation? Mais j'ai peut-être trouvé en cuisine, ouais, pas loin, là. C'est un petit restaurant sympathique, mais c'est quoi, ça? C'est quoi? Ça fait bon. Ah ouais? Merde. De plus ici? Dur. Agité. Bah, je vais monter le son, vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de notre JT. En effet, un virus mortel s'abat sur le monde entier. Après avoir infesté l'Amérique et l'Angleterre, il est arrivé depuis plus de 72 heures en France. C'est très dangereux, c'est toute personne contaminée. Le couvre-feu, pour renseigner. C'est quoi ça? Militaire. C'est une blague. Votre carte ici n'est pas un exercice. Non, c'est une blague. Ce n'est pas un exercice. C'est une blague? On fait quoi là? C'est du faux. C'est une blague. Après plusieurs heures de recherche, la rédaction a reçu une vidéo amateur de cette maladie. Le couvre-feu a été déclaré. Nous vous demandons d'aller dans la ville la plus grande et la plus proche pour vous mettre en sécurité dans nos camps réfugiés. Durant votre voyage ou votre survie, cachez-vous, barricadez-vous, prévoyez assez d'eau et de nourriture et restez en contact avec vos proches. Ça fait un peu, tu sais, genre comme dans tes films. Hein. Ouais, c'est là, pareil. Mais non, ça n'existe pas. Oui, non, je pense pas, là, c'est... Ben, merci. On va essayer d'appeler toi? Ouais. J'appelle Jérémy. Moi, je vais essayer d'appeler Marie. Ouais. C'est bizarre. Ah bon? Ouais. C'est un truc comme ça. C'est bizarre. Non, mais c'est quand même inquiétant, là. C'est bizarre. C'est quoi, ça va? C'est quoi, ça? C'est n'importe quoi, là. Non, mais c'est quand même inquiétant, là. On n'a pas le choix, c'est notre seule chance de rester en vie. Silence! On n'est peut-être pas tout seul. Bon, arrêtez de parler et allez vérifier si on est en sécurité. Faut trouver des lits pour survivre. Ouais.
s'est passé quoi ici? On va aller au fond. Allons-y. On va vérifier au fond. Bon, on s'installe ici. Ouais, on sera plus en sécurité ici. Sinon, j'ai vu des teintes et des mappes là-bas. C'était quoi là, ta porte? Je sais pas, mais c'était pas mon voisin. C'était plus mon voisin. C'est la fin. Ce sont des gens malades, ça va s'arranger. Malade? Mais c'est toi qui es malade hein. T'imagines quand même qu'on a pu mourir par des gens qui sont assoiffés de sang? Oh merde! On n'est pas là pour se prendre la tête. Faut qu'on reste ensemble pour survivre. Serrons-nous les coudes, bordel! Il a raison. Restons soudés. Je vous propose d'aller dormir. On a une dure journée et demain. Elle risque d'être bien, les sneakers. Enfin bon, moi je vais me coucher. Hein. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous dormez là ou pas? Ouais. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. On ne connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il va nous voler ou nous tuer et vous voulez l'accepter avec nous. Bien. Avec ce qui se passe dehors, vous croyez pas qu'on va plutôt serrer les coudes? Vous savez pas ce que j'ai vécu depuis le début de l'infection. Moi je serai là pour vous aider à survivre. Il a raison, mais au moins d'un problème, il partira. Bon. Comment t'arrives là toi? Je me chantais, donc je suis passé là et j'ai coupé des doigts. Tu t'es échappé d'où? Et regardez ce que j'ai trouvé! Oh, c'est super! Maman, j'ai du bon cassoulet, enfin! Oh, bien mangé! Ouais. Reviens. Ah. Ok. Fou. Bon, je vais aux toilettes. Bon, tu fais gaffe? Oui. Vous inquiétez pas.
C'est quoi ça? C'est bon. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Vous lui avez demandé? Demandez quoi? D'où venait sa blessure? C'est où est-ce qu'on pourra aller? J'ai une petite idée, mais je pense que ce serait très... Mais toujours. Casse-bas, en bas. Ah, c'est possible, ouais. On va chercher de quoi manger et on déménage après. Faut leur dire parce qu'on n'est pas en sécurité. Bon, vous l'avez où alors? On l'a enterré derrière. Bon, par contre, j'ai mis les lunes supérieures. Ouais. On va déménager, tu trouves un lieu plus sûr? Où ça? À Casse-bas. C'est plus petit. Certes, c'est plus loin, mais c'est plus petit, on aura plus de chance là-bas. Par contre, il y a un problème, c'est qu'avant qu'on parte, il faut qu'on trouve de quoi manger. J'y vais, je vais aller en chercher. Je crois qu'il y a des talkie-walkie. Là, vous avez pas essayé encore? Non. Greg? Ouais. Et s'il y a un problème, tu nous appelles? Ouais. Tu tapes, tu fais attention, et il va où chercher la bouffe? Mais là, oui, que dans les maisons... À la maison, on a laissé quelque chose? Je sais pas, on a rien pris, je crois, quand on est parti. Ouais, tu vérifies la maison? Ouais. Et il faudrait que tu sois revenu avant le coucher du soleil, ils vont préparer les affaires et on s'en va avant qu'il fasse. J'ai payé la manu, j'ai rien. Et tu fais attention? Ouais. Au moindre problème, tu nous appelles. On laisse allumer le talkie-walkie, juste avant que tu reviennes. Je salue aussi. On fait comme ça? On fait comme ça. Bonne chance. Merci. C'est un zombie?
Non, je ne crois pas. Chopons-le. Mais qui, tu fais quoi là? Moi je suis en train de réparer mon vélo pour rentrer chez moi. Tu sais ce qui se passe au moins? De quoi? Tu sais ce qu'il y a? Non. Tu ne sais pas donc ce qui se passe en ce moment? Il y a des zombies partout. On n'est pas à l'abri au dehors. Des zombies? Comment ça des zombies? Des zombies comme... Ah comme ça! Les filles, on reste là, c'est bon. Ouais. Ouais. Et Greg, on a toujours pas de nouvelles. Non. Comment on fait? Ouais, Greg, c'est nous. Bon, si t'as ce message, c'était pour te dire on n'a pas pu t'attendre à l'EPM. Il y avait trop de problèmes, on a dû partir très vite, donc on est à la Casbah hein, comme le plan de départ. Donc si t'as ce message et que t'es encore en vie ou que tu vas bien, si tu peux nous rejoindre à la Casbah et te signaler avant au Tokiwaki, dans le sens où on a bloqué la porte d'entrée, tu pourras pas rentrer si tu nous dis pas avant. Donc surtout, on te laisse ce message pour te souhaiter bonne chance si tu es sur la route tout seul. Bonne chance et peut-être à bientôt. J'ai vu une poubelle dehors, on va la chercher. D'accord, je suis. C'est moi. Ça va? Ouais, ça va. T'étais où? J'ai perdu mon toki en route. Et t'avais fait quoi? J'ai vu 2-3 zombies et j'ai dû courir et je l'ai dû tomber. Et ça va, t'es pas blessé? Non, rien, j'ai rien. Bah, vas-y, rentre. Non, j'ai rien eu. Je suis parti pour chercher de la nourriture, j'ai vu 2-3 zombies, j'ai dû courir et j'ai tombé mon taxi en train. Et tu t'es caché où? Vers la gaillarde là-bas. Et tu sais qui t'as vu d'autres survivants? Non, j'ai vu personne. Non, parce qu'on est rentré avec lui, on a vu les boîtes encore. Ouais. Non, j'ai vu personne. Ils sont peut-être tués. Ils sont peut-être morts.